Yo yo yo, bonjour, bonsoir les amis, bienvenue à World War Z Aftermath. Cette version m'a été offerte par mon ami Gonkeyroi, que je remercie infiniment encore une fois. C'est la deuxième fois que tu m'offres dans le thème de World War Z. Merci à toi, Kerua. Je vais vous présenter le jeu aujourd'hui. Je vais baisser un petit peu la musique. Oula. Voilà, 50%, c'est parfait. Donc les amis, le jeu est beaucoup plus dur qu'avant. C'est-à-dire que là j'ai fait trois parties dont les trois sont perdues. Les trois sont perdues tout simplement parce qu'ils nous attaquent par derrière aussi maintenant. Ils ont rajouté plus de zombies et surtout que ils attaquent par derrière. C'est-à-dire que la même map auparavant, on attaque juste devant. Et c'est terminé, et là c'est une horde qui vient par derrière, et si on s'attend pas du tout, là le jeu nous oblige vraiment vraiment à rester ensemble en team avec les coéquipiers et de les protéger lorsque ils vont vers un objectif. Et si on respecte pas, si on est séparés chacun de leur côté, c'est la mort assurée et on perd même si c'est en mode normal. Je vais vous montrer. C'est quoi collection? Alors je connais pas beaucoup. Je connais pas beaucoup encore. Voilà, j'ai juste fait une partie avec elle. J'ai juste fait une partie avec elle et voilà. Donc ça doit pas donner grand chose. Ouais, ça doit pas donner grand chose. Alors juste pour vous montrer. On va jouer hors ligne parce que c'est très difficile en coop avec les autres si ils ne vous suivent pas. Je vais vous montrer. Voilà, difficulté, j'ai pas changé, hein, j'ai laissé juste à peine en normal. Mais ils attaquent vraiment de partout. Je vais vous présenter le jeu. Avant toute chose, je vais vous présenter les armes. Donc voilà, on a le jeu avec. J'ai rien touché. On a le jeu directement avec les anciennes armes, je crois. Voilà. Et ici, pareil. Je vais les paramétrer directement avec vous. Waouh! Oh, ça change. Silencieux, pas silencieux. Silencieux, pas silencieux. Alors, silencieux. Silencieux, comme ça, on est tranquille. Voilà, ok. Je vais descendre. Ouh, il y en a beaucoup. Ah ouais. Eh ben, on va tous les prendre, hein. C'est un avantage. Allez. Parce que là, quand même, tout de même, on va jouer. Alors, le bulle-pop. Le bulle-pop, celui-là, il déchire tout. Est-ce que... Ouais, ok, on va laisser comme ça. Mitrailleur. Je vais le prendre aussi en or. Oh là 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 là. Lance-grenade. Oh non. Fonds insuffisant. Heureusement, je ne l'ai pas pris. J'ai pas besoin. Donc, on va descendre encore un peu. Est-ce que j'ai tout fini? Ah, il reste encore. Voilà. Donc, ici, on a. Voilà qui est intéressant. On va prendre ça. Ça doit faire stylé. Ici, je vais prendre le marteau ou la hache. Ça a l'air plus puissant, ça. Allez, c'est plus joli à voir en tout cas. Ici, je vais prendre plutôt. Oula. Ah oui, ok, ça il faut acheter sur Steam, d'accord, on n'en a pas besoin. Ok, donc voilà pour les armes, c'est fini. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, la classe. Voilà, j'ai joué en mode de fantassin, j'ai joué quelques parties, hein, trois parties, les trois sont perdues. J'ai un petit peu oublié aussi la mécanique du jeu. Mais là, ça m'est revenu. Mais par contre, là, je vais vous. On va jouer ensemble juste. Une toute petite partie dans la nouvelle dans les nouvelles maps qui a été présentée dans le jeu. Qu'est-ce que je peux vous montrer de plus?
Les classes sont faites, les apparences, à la rigueur, on s'en fout. Il y a quoi? Ah, je le connais pas, lui. Si. Ok, choisir une équipe. Allez, on va visiter Rome, hein, d'accord? On va jouer sur Rome et qu'on n'a jamais fait. Et je vais jouer en solo directement. Voilà, prêt. On y va, les amis. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Alors sachez, comme je vous l'ai dit, le jeu est deux fois plus difficile. Ou voire une fois et demie, puisqu'ils attaquent aussi par derrière, chose qui n'existait pas avant. Chose qui n'existait pas avant, et là on est. J'étais un petit peu surpris quand même. J'espère que je vais survivre au moins jusqu'à la moitié des vagues. En tout cas, c'est un pur bonheur. Regardez la map, comment elle est belle, les amis. Minerva squad is on shitcan walkies, but it was 16 hours ago. We should have started looking this morning. Oh, c'est magnifique. We can't take back the city without them. C'est juste magnifique. The Basilica was Minerva's rendezvous point. We start there. I should never have been out here. Ok, allez, c'est parti. Atteindre. J'ai l'impression que je suis encore revenu en fantassin. Ouh là là, ouh là là. Ouais, d'accord. Attends, on va changer d'arme. Apparemment, il faut jouer en silencieux ici. On va jouer comme les collègues. Oh, je. Ah, ça c'est pas mal. On voit rien. Et je crois que dans ce jeu-là, pour avoir la lampe électrique, il faut avoir beaucoup de points spéciaux. 500 points, je crois, pour pouvoir acheter. Ah, il y a des armes là. Oh non, c'est pas. Mais c'est quoi ces armes à lui? C'est quoi ces armes à lui là? Attends, je m'attendais pas. Du tout. Oh. Oh là, oh là, oh là. En fait, je crois que j'aurais pas dû les réveiller. Lance-roquette sur mon dos, ok. Bon. Bon bah c'est pas terrible. Je crois que j'ai réveillé tous les morts. Tiens, 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 tiens. Il a pas de problème de stamina, lui, hein. Alors, attends. Est-ce qu'il y a autre chose à ramasser là? Oh, c'est dur à Rome quand même, hein. Dans le noir, dans le brouillard comme ça. On voit absolument rien et on n'a pas de lumière. Oula! Oh mon dieu! Oh, ça n'en finit jamais ou quoi? Qu'est-ce qui est tombé là? Oh, ok, on y va, on perd pas de temps, on traîne pas, venez les enfants, venez avec moi. Attends, je crois qu'il y a un peu de choses à ramasser quand même ici, hein. Oh là là, c'est juste magnifique la map, c'est juste magnifique. Ouh! Oh là là, ils sont nombreux, je crois qu'il faut se dégager d'ici, hein. Ah, rechercher, voilà. Rechercher. Ah ouais, donc d'accord, il faut une clé. Nothing, ok.
Vite, vite, vite. Venez avec moi. Oh mince. Décidément. Vous avez vu comment c'est difficile pour un mode... Pour un mode normal déjà, standard. Mais comme d'habitude, je pense qu'on doit farmer pas mal. C'est-à-dire qu'on doit jouer en mode solo ou en mode campagne avec des coéquipiers. Afin d'améliorer le personnage. Parce que en fait... J'ai complètement oublié de vous montrer le début avec les classes. Là on fait que de courir, on voit pas du tout décidément. Ah, ça y est. Ok, oh là 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 là. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, sauf que j'ai plus de balles. Je vois pas comment je vais faire pour survivre. Ah, ouh oui, oh là là, j'ai bien fait de chercher ici. Et bah voilà. Ça vous donnera une petite idée du jeu déjà. Oh my god. Oh, ça fait peur. Ok, des grenades ici j'en ai. Allez, on grimpe. Ça y est, on va un peu à la lumière, vers la lumière. Là, ça va chauffer par contre. Là, ça va chauffer. J'ai pas de lampe électrique, ça va être chaud là. Ouh là 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 là. Éliminer les zombies dans le secteur, ok. Toi, tu vas mourir. Ok, je crois qu'on va avancer parce que sinon on va jamais s'en sortir. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Il faut rentrer à l'intérieur. Oh, elle est belle, elle est trop belle la map, elle est trop belle. C'est trop bien le thème de la map. D'accord, ok. Là, il y a ça à activer, déployer. Voilà, et là, comme je suis... J'ai trouvé une bombe. Voilà, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Merci. Oui, oh là là, tout ce qu'il y a dedans. Voilà, est-ce que j'ai besoin de soigner quelqu'un? Marco, c'est qui Marco? Voyons voir. C'est qui Marco? C'est lui. Soignez Marco. Allez. Très bien. Le flingue. On va prendre ça. Je crois que c'est bon, hein. Attends, on va passer de l'autre côté. Là, il y en a beaucoup à trouver. Heureusement qu'il n'y a pas de temps. Heureusement qu'il n'y a pas de limite de temps. Heureusement qu'il n'y a pas de limite de temps, hein. Bon, comment on va faire ici, là? Briser. Non, je vais rentrer par la porte. Je pense qu'il faut défendre cet endroit là. Ah mais encore de ce côté là. Oh là là, magnifique, magnifique. What's in here, then? Oh, mon flingue préféré. Allez, c'est parti. It's okay. Voilà, c'est mieux ça. Qu'avons-nous ici? Voilà, une tourelle, c'est trop bon. Ok. Encore une autre charge, mais voilà. Heureusement j'ai cherché, hein. C'est quoi ça? Ouh là 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 là. Donc voilà, cette ce colis là, si je termine le jeu, je gagne des points de bonus, hein, les amis. Vous avez vu la map, vous pouvez le voir pour vos games. Je crois qu'il faut que je ferme. Ah. Par contre, je crois que je vais fermer, hein. Attends, d'abord on va fermer, barricader ça. Et on va chercher à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je dois faire là? Interagir avec ça, d'accord.
On va installer tout. Apparemment, il faut défendre cet endroit. C'est extrêmement puissant. Comment je vais faire? Comment? Ouais, mais ça a l'air. Oh, ça a l'air chaud, hein, tout seul, hein. Ça a l'air vraiment chaud tout seul. Ah ouais. C'est quoi ça? Ça c'est fait. Munitions. Ça y est, j'ai fait le tour, d'accord, ok. Et là, j'ai pris un flingue, d'accord. Si on allait à gauche, ici on peut encore ouvrir une porte. Elle est trop belle la map, elle est grave belle, oh là là. Un peu compliqué à la Counter-Strike. Allez, oh oui, encore un autre. Allez, ça va être un fence. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est pas vrai, y a rien. Attends, on va soigner les gens aussi. Par exemple, la fille là, elle est out, elle est capote. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est vraiment très jouissif le jeu. Daniela aussi, décidément. Daniela. Ouais, je vais tous les soigner déjà pour commencer. Voilà. Oh oui, j'ai pas vu ça. Voilà. Qu'est-ce que... Oui, encore une autre. Je vais prendre ça plutôt. Voilà, ça c'est mieux. Je vais prendre ça pour moi. Voilà, c'est tout bon. On a tout pris. On a tout pris, mais par contre là, je vais voir comment je vais faire pour défendre. Parce que comme ils viennent de partout, là, c'est vraiment pas terrible du tout. Comment on va faire pour boucher tous les trous là? Ça craint. Alors ça, si on met dehors, c'est mort. Hein. On pourra pas sortir. On pourra pas du tout sortir pour les protéger. Alors on va les laisser à l'intérieur. Ah bah tiens, ça c'est ouvert. Voilà. Mais je pense que le jeu va nous obliger. C'est la première fois que je joue, les amis. Hein. C'est la première fois. Ah tiens, on va mettre ça ici. C'est pas mal ça. Voilà. J'espère qu'ils vont pas venir par derrière. Ok, c'est bon. Je crois que j'ai plus rien à faire. Ah, c'est moi qui dois utiliser, qui doit tenir. Ok. Bon. Ah, j'ai oublié qu'il y a aussi à l'étage. Oh mon dieu. Oh, c'est pas vrai. Ah bah tiens. Voilà. Ah ouais, d'accord. Bon bah on va l'installer ici. Voilà. Oh my god, il m'a fait peur. Oh là là. Ok, si je comprends bien, le jeu démarre ici. Ouais, ok, j'arrive. C'est la première fois que je joue, alors on se calme, hein. C'est pas mal cette arme là, je sais pas à quel moment je vais les garder. Attends. Attends, je dois faire quoi là? Interagir. Ok, on va voir si c'est ici que ça démarre ou si c'est à l'intérieur. Ah, ça démarre de l'autre côté. Oula, oula, oula. Ah, c'est chaud de jouer tout seul par contre là. Ok, d'accord, ok. Je me mets ici. Je me mets ici. Attends, j'en ai pas vraiment besoin en fait. Mais c'est bizarre ça. Attends, je vais refermer. Puisque c'est comme ça. Hein. Oh, c'est compliqué de jouer tout seul ici. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? C'est quoi ça? Ah ok, il faut défendre le mec. Je crois. Oh non! Je suis tout seul! Allez, on va fermer. On va fermer apparemment. Ok. Oh c'est chaud, oh c'est chaud, ça vient de partout. Oh my god. Merde, mais c'est quoi ce flingue pourri là? Oh mais non, mais non, mais non, mais non. Et voilà, mince, il m'a pris. Allez, butez-le là. Oh là 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 là. Mais c'est quoi ce flingue pourri? Oh non.
Mais... Ah tiens, ça y est, celui-là il est mort déjà, donc il a bien servi. Ok, alors si je comprends bien, il va falloir sortir pour tuer l'autre. Et je vais y aller tout seul, ça va être chaud, hein. Je vais peut-être mourir. Il est où? Il est où le scummer? Ok, screamer down. Ah, il y en a qui sont tombés. Oh non, je vais mourir. Putento. Non. Non. Et voilà les amis. Donc là le jeu est vraiment fait pour jouer ensemble, hein, pour pas jouer tout seul, hein. C'est pas possible de réussir. C'est juste pas possible. Ah ça y est, ils arrivent pour moi, merci beaucoup, merci. Ok, on va retourner à l'intérieur. Ça rigole plus. J'ai pris un flingue de merde, c'est pas possible. Faut que je change là. Attends, déjà on va prendre ça. C'est mille fois mieux. C'est quoi ça? Ah ok, d'accord. Oh my god, il y a encore un autre truc en bas là. Attends, je vais chercher. Ah ouais, il y en avait beaucoup à prendre avant de commencer la game. Attends, on va fermer ici. Voilà. Décidément. Oh là là. Tout est ouvert. Réparer le treuil. Il faut que je répare. Déjà, on remet tout déjà en place. On remet tout en place déjà. Hop, voilà. Voilà, on n'en parle plus. Décidément. C'est quoi que je dois faire là? Interagir, ok. Allez, c'est parti, deuxième round. Deuxième round, j'espère que je peux rester ici. Non? Ils vont où là? Ah mince! Purée, mais ils vont où là? Oh! Mince! C'est pas vrai, et voilà, je suis tout seul ici. Putain, mais... Bon, il se passe quoi? Il se passe quoi là? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Il se passe quoi? Attends, ils sont partis où les mecs? Ils sont partis où les mecs? Pourquoi ils sont partis? Récupérer. Oh c'est chaud hein. Oh c'est pas possible. Attends. Voilà, c'est bon, débarrassé. Ok, je vais enfin pouvoir utiliser ça. Apparemment non. Oh, c'est le bordel, hein. Vous avez vu? En mode facile. Attends, on va essayer de fermer les barricades pour voir si ça fonctionne quand même. Vas-y. Déjà on va réparer ça. Allez.
On va fermer ça aussi. C'est chaud, hein. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, il va sur moi, il va sur moi. Oh, justesse. Ok. Ok. C'est quoi ça? Réserve. Oh oui, c'est bon ça. Qui a besoin? Marco, Marco. Marco, 4. Ça y est, j'ai plus rien. Je peux plus. Je suis censé faire trouver le chemin pour traverser les catacombes. Ok, apparemment c'est terminé. Trouver le chemin pour. Ouais. Bah, j'aimerais bien savoir c'est où, hein. Ah. Non, c'est pas ici. Pourquoi il m'a abandonné, lui, là? C'est pas là? Allô, tu peux m'aider? Et comment voulez-vous que je sache où est... Ah, d'accord. Ok, d'accord, ça y est, c'est bon. Ah, mais c'est pas fini. Oh, regardez comment c'est beau, les amis. Oh là 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 là. C'est flippant, mais c'est beau. Oh! Ok, on va avancer. On va avancer. Je pense qu'il faut encore chercher des choses. Oh! C'est quoi ce bug? C'est quoi ça? Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. C'est quoi ça? Est-ce que... Non, je le prends. Est-ce que je le prends? Fusil d'assaut. Enfin, est-ce qu'il est bien celui-là? Ah si, je m'en souviens de celui-là. Il est puissant en plus. On va le garder. On va le garder. On va le garder. On va le garder. Oh my god! Qu'est-ce qu'il fallait pas faire? Oh oui, super! Il y a tout ici! Oh là là! Non! Oh non, 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 non! Oh, je suis pas bien là, je suis infecté. Et mince, qu'est-ce que j'ai fait? Mais oh non! Je crois que j'ai perdu la partie. Oh non! J'ai fait une bêtise. Bah voilà les amis, vous avez vu? Bon, évidemment, les personnages n'ont pas été upgradés à fond puisque c'est la première partie. Maintenant qu'on a fini, j'ai oublié de vous montrer au départ des choses à upgrader. On va les voir ensemble. J'avais choisi... Ok, fantassin taille, voilà, niveau 6. Voilà, c'est quand même bizarre, hein. J'ai choisi d'entrée de jeu, et on dirait que ça n'a pas pris en compte. J'ai choisi d'entrée de jeu l'autre classe, et je me retrouve toujours avec... Ah ouais, donc voilà, il y a un problème. J'ai du mal mal choisir. J'ai choisi l'agent d'appui et je me retrouve toujours à jouer le fantassin. C'est bizarre ça quand même. Tir à la tête effectué à l'arme principale ou secondaire ajoute automatiquement 5% de munitions du chargeur. Ok. Adrénaline, recharger une arme dont le chargeur compte moins de 25% de munitions donne un bonus de vitesse de rechargement de 50% pendant 5 secondes. Et là, vitesse de rechargement augmente de 25% pour toutes les armes. Ah. Tir à la tête. Bon. Ça va être ça, hein. Allez, on va prendre ça. Mais quand même, moi ce que je veux c'est l'agent d'appui. J'ai un petit peu oublié là. Je vous ai fait en plus un tuto. Ça fait plusieurs mois que j'ai... Je vais vous montrer maintenant l'autre map. Ou pas, je sais pas. Je sais plus du tout comment... comment on fait pour choisir la classe agent d'appui.
Agent d'appui, voilà. Je reviens en arrière. Et je suis pas l'agent d'appui. Pourquoi? Ah si. Et... arme. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné ça. Ah, ça c'est mortel ça. Il faut continuer de jouer avec cette arme là. Puisque si on améliore, on peut arriver jusqu'à 175 balles dans le chargeur, ce qui est pas mauvais non plus. Et là, nous avons... ah ouais, il faut réupgrader depuis le début en fait. Et bah c'est parti. Hein. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Voilà, ça me fait... un peu plus de puissance, mais moins de balles. Décidément. D'accord, ok. Ok, on sort d'ici. On va jeter un petit coup d'œil. Donc comment on fait pour changer de... ah, c'est changer de classe, voilà. C'était là qu'il fallait choisir. Voilà. Ok, alors on va pas refaire Rome les amis, on va retourner dehors. On va revenir... quoique, il y a plusieurs maps de Rome, je vais quand même vous montrer la suite de Rome. On va toujours jouer en mode hors ligne. Donc on avait fait Terre Sainte. Ah c'est compliqué ça quand même. Attendez. Apparence. Non, c'est pas apparence. Ok, là j'ai changé. J'ai changé. Je suis rentré dans Rome. J'ai choisi. On va la refaire cette fois-ci. Je pense, non. On va la refaire. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin que ça. Maintenant que je commence à mieux comprendre. Non, c'est pas ici qu'on change. J'ai encore oublié. Rome. Terre Sainte. Changer de classe. Ah, voilà, c'était là. Bah, c'est un peu dommage parce que là, il faut que je recommence à zéro avec cet homme-là. Avec cette classe-là. Alors, ça va être compliqué. Mais lui, il est super extra. Vraiment, hein. Il est super extra. On va rester avec lui. J'adore jouer avec lui. C'est comme ça. En plus de ça... je vous garantis pas que je vais gagner, hein, parce que je connais pas la map. Je connais pas du tout la map. Alors, on va bien voir ce que ça va donner. C'est un peu... je me demande si c'est pas mieux de faire en coop à plusieurs. Peut-être qu'on peut parcourir toutes les portes. Parce que sinon, c'est chaud, hein. Nearing the graveyard now. Vesta, when was the last contact with the engineering squad? Regardez-moi cette beauté. But it was 16 hours ago. We should have started looking this morning. We can't take back the city without them. The Basilica was Minerva's rendezvous point. C'est quoi ce flingue là? Ça a l'air ah si, il est pas mal celui-là. Par contre, je crois qu'il est un peu lent au tir. Oh! Oh là là! Ah, il est puissant lui, hein! Oh oui, c'est trop bon! Je crois qu'on n'a pas été silencieux, c'est pour ça que tout le monde vient là. Je crois que c'était ça. Hein. Attends, on va rigoler. Bon, on va se dépêcher un petit peu. Il n'y a pas quelque chose à ramasser là? Tiens! Tiens!
Ah, je savais bien, regardez. Attends, je vais essayer avec ce flingue, on va. Ah ouais, il perce quand même, il transperce, hein. Double canon. Ah ouais. Fusil double canon. Ah, regardez. À peine commencé, on trouve déjà quelque chose. Voilà, donc j'ai bien fait. J'ai bien fait de fouiller. Lance-roquette sur le dos, voilà. Lance-roquette, pourquoi pas, hein. Allez, on fouille, on fouille, on fouille, on fouille, on trouve rien. On trouve rien, on laisse tomber. Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment bien fait le thème de brouillard, hein. Ah oui! Ça, c'est du flingue. Attends. Oh! Oh non, non, non! Oh. Recherché. Pas trouvé. Oh, c'est trop bien fait le soleil qui se couche. Oh là là. L'avantage de jouer en solo, les amis, c'est que les coéquipiers, ils vous suivent tout le temps, ils vous collent de très près et vous êtes bien protégés. Alors que quand vous jouez en ligne avec les gens. Quand vous jouez en ligne avec les gens, et ben, ils font ce qu'ils veulent. Le fait que vous n'avez pas, vous commencez le jeu, vous n'avez pas le même niveau que eux. Eux, ils partent à l'avance et ils vous laissent traîner derrière. Et surtout quand vous connaissez pas la map, quand vous connaissez pas la map, il y a personne qui vous accompagne. Allez, 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 allez. Oh! Oh merde, je suis infecté. Désinfecté, j'ai oublié de désinfecter tout à l'heure. C'est pour ça que je suis mort. Oh my god. Oh, il sert lui, hein. Oh là là. Eh ben. Il est où l'autre là? Il arrête pas de crier, c'est pour ça que. Oh! Ils viennent sans arrêt. Non, ça j'en veux pas. Attends, on va foncer parce que là je vais tout perdre sinon. Ah oui, d'accord, c'est par là. Je crois que je vais me faire une bêtise les amis, pourquoi je l'ai posé là, je sais pas. Oh oui, il est magnifique. Pourquoi il a posé là lui? Ah, c'est pour les armes. Oh, j'ai fait une bêtise les amis, j'ai posé ça je crois. Récupérer les munitions explosives, oh, ok. Ok, d'accord. Récupérer les munitions explosives. Voilà. Oh non, c'était les munitions pour tous. Dans ta gueule. Munition explosive. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Pourquoi je peux pas le récupérer? Il est où? C'est quoi ça? Récupérer des munitions explosives. Voilà. C'est tout. Bon bah j'ai rien trouvé d'autre. On va essayer d'entrer. Oh, c'est quoi ça? Ça c'est bon. Ça, non. Décidément, à chaque partie, ils nous donnent des armes différentes. Du coup, on peut jamais améliorer d'une seule traite. À chaque fois, c'est changer, modifier. Et du coup, on doit faire petit à petit. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il est puissant mon flingue là. C'est dingue hein. Tiens. Ah 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 ah. Décidément, c'est l'aventure.
beaucoup de choses à chercher, hein. Ça y est, ils arrivent. Oh là là. Oui, alors on va soigner quelqu'un. On va soigner Sophia par exemple. Non. Daniela. Daniela, tiens. 4. Attends. We need you to keep fighting. Voilà. Ok, on peut y aller. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. Je kiffe, je kiffe. Oh my god. À chaque fois je me fais avoir. Oh. Ah. Voici le moment crucial. Oh là là, c'est puissant mon flingue. Oh c'est trop puissant. Oh là 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 là. Oh non, c'est pas vrai. Il a bousillé tout le monde là. Attends. Attends, il y a un screamer quelque part qui nous... Non, c'est pas vrai. Oh là là, c'est trop bon ce jeu les amis. Vous vous rendez compte comment ils sont nombreux en mode normal? Oh là là. Oh, moi je kiffe hein. Ah ouais. Bah les amis hein, si vous l'avez pas encore acheté hein. Allez-y hein. Je vous le conseille à 100%. Si vous aimez les zombies évidemment. Oh, il a failli me tuer encore. Attends, on va se soigner. Ok, parfait, on y va. Ok, là c'est fermé. Est-ce que je peux grimper par là? Non. Se préparer à défendre l'église. Ça y est, je suis à la bourre, je suis à la bourre, je suis à la bourre. Faut qu'on revienne dans l'église. Ah. J'ai pas de bombe. Oh non. Oh non, oh non. J'ai rien du tout là. Tiens. Oh mais... Oh, j'ai rien du tout. C'est pas comme... C'est pas comme la première partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, est-ce que c'est le même flingue là? Fusil de combat? Non. Voyons voir. Attends, est-ce que c'est le même là? Ah, c'est pas le même. Ça résonne, ça résonne. Bon, alors on fait quoi là? Là c'est l'entrée, on va fermer la porte. Oh! Bon bah on va les laisser venir après. Ça, je vais le mettre. Ok, defense. Voilà pour ici. Et on va fermer la porte. Voilà, si on avait été plusieurs à jouer, chacun aurait fait son travail. Ça aurait été un petit peu plus efficace et aussi... Ah, décidément, là je peux rien faire. Je comprends pas. Hein. Pourtant, je suis agent d'appui. Pourquoi j'ai pas la bombe avec moi? Ça c'est fait. Good for us, bad for them. Qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Ah tiens, il y en a deux là. Parfait. Ah, on peut pas prendre les deux, décidément. Je le mets ici ou pas? Ça peut servir ça. Sauf que c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur, ça va être difficile pour la défense.
pour intervenir. Voilà, l'un protège l'autre. Ok, l'un protège l'autre. Je crois que c'est bon, hein, c'est tout bon pour nous. Plus rien à faire. Allez, on va fermer ça. On va se dépêcher un petit peu. Allez, on se jette à l'eau, les amis. Il n'y a plus que ça à faire. Ah, cette fois-ci, je suis moins équipé que la première partie. Hein. Je suis moins équipé que la première partie. Ça va être compliqué. Allez, on va essayer. Voilà, c'est parti. Je vais essayer. On va voir si c'est par là. Non, attends, on va pas faire ça comme ça. On va voir déjà où est-ce qu'ils vont spawn. Voilà, déjà ça pour moi. Oh non, il va exploser. Oh non, c'est pas vrai. Ah ouais, ça rigole pas là. Bombe, infection et tout. Oh là là. C'est quoi délire? Oh my god! Oh là là. Eh, hey, j'ai filmé mon truc, il est pas mort. Décidément. Attends, on va se recharger parce que là ça va pas du tout. Oh! Ah ouais, comme je vous l'ai dit, hein. Non, je suis infecté. Non. Oh non. Je vais mourir, je vais mourir. Non, non, non. Ah ouais, fallait me mettre ici là. Ouh là là, c'est bon ça. Oh, il fallait me mettre ici en premier alors. Ah, je vais descendre. Je vais descendre, je savais, hein, je vous l'avais dit. Hein. Quand on laisse ça dehors, ça s'abîme vite. Et on ne peut pas sortir pour protéger. Oh, c'est le bordel quand on joue seul. Qu'est-ce que j'ai fait? À chaque fois, je fais la même bêtise. Je sais pas pourquoi j'ai posé ça ici. Je sais pas si on peut monter là. Non, on peut passer trop haut. Décidément. Je vais perdre un agent si je me dépêche pas. Deux. Oh non, c'est pas vrai, regardez-moi ça. On a laissé une petite brèche là, tout le monde rentre. C'est la fête, c'est la fiesta pour tous. Faut pas que je m'infecte. Allez, sauve-les, 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 oui. Allez. Ah ouais, il sert à quelque chose lui avec sa hache quand même. Hein. Et bah décidément. C'est extraordinaire. Hein. C'est quoi ça? Ok, j'ai compris. En fait, il fallait rester là pour défendre le pour défendre la personne qui fait tourner la machine. C'est pas mal ça. C'est pas mal hein. Récupérer. Oh non. Attends, on va voir si je peux faire quelque chose ici. Je sais pas, je comprends pas ce truc là. Pièce de rechange, ok. Après, interagir. Ok. Ok, j'ai pas oublié. Dans ta gueule, crève, crève. C'est très jouissif, hein, vraiment le gameplay, il est très très nerveux.
Voyons voir. Est-ce que j'ai tout mis en place? Est-ce que j'ai toutes les balles? Non, j'ai pas toutes les balles. J'ai pas toutes les balles. Ah non. Ah mince, je l'ai pas vu. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles, faut que je me recharge. Oh là là, décidément. Tiens. Attends, on va essayer de fermer pour voir si ça tient un peu plus la route quand même. C'est long quand même, hein. Tout seul, c'est chaud, hein. De diriger les quatre pôles. Ah, décidément. Bon, je suis censé faire quoi là? Interagir avec lui. Voilà. Il manque en dernier. Décidément. Ah ouais, j'ai toujours pas protégé la bonne porte. Ils sont partis où? Ah, ils ont bougé. Attends. Juste grave trop de balles. Ah, c'est le bordel, hein. Oh là là. Ah, récupérer la dernière chose. Vite, 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 vite. Non, non, non. Oh là 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 là, mon dieu. Vous vous rendez compte, ça c'est la difficulté normale. Ah, ça y est, tout le monde est mort. Bah voilà. C'était la fin, les amis. J'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour la suite. Demain, on essaiera une autre map dans Rome. Merci à tous. Ciao, ciao, bye, bye.